Bonjour, c'est Mathieu Duclos. Et aujourd'hui, nous allons explorer la garrigue de Nefiac. Venez voir, venez. Ici, nous sommes dans la zone la plus aride entre Corbère et Saint-Paul-de-Fenouillet. Ce climat aride peut tuer un homme en moins de 48 jours. Mathieu Duclos est un expert en zone tropicale du sud de la France. Cette terre n'a plus aucun secret pour lui. Cette expédition est la consécration de sa carrière. Regardez, voilà des fourmis créoles. Elles peuplent la garrigue. Mais on les reconnaît grâce à leur musique. Entendu ? Nous avons suivi cet explorateur au plus profond de la garrigue nefiacoise. Son nom est devenu synonyme de sagesse. Voilà. Les pierres parlent d'elles-mêmes. Ce sont les peuples malgaches qui, au XIIe siècle, ont réussi à importer ces oliviers d'Ouzbékistan pour mettre des olives dans nos pizzas. Cet homme est le seul à risquer sa vie dans ces terres hostiles. Voilà, c'est à ça que ressemblaient les huttes à l'aube du millénaire dans la région. Ouais, il n'y avait pas grand chose. Hein. Il a vécu 6 ans en parfaite harmonie avec la nature. La garrigue est devenue sa deuxième maison. D'ailleurs, il nous le prouve par ses multiples connaissances. Voilà, c'était Mathieu Duclos qui vous a présenté la garrigue de Nefiac. Derrière cette montagne, Estagel, terre de Zoulou, que nous allons découvrir la semaine prochaine.